Salut tout le monde, c'est Pixel. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait peur. Et nous sommes sur Resident Evil 7, un jeu que je n'ai pas joué depuis environ, je crois, 8 ans. Je ne me souviens plus de rien du tout. C'est pour ça que je fais beaucoup de jeux comme ça, parce que c'est des jeux que j'aimerais bien refaire, mais que je me souviens plus. Et donc c'est une redécouverte, et j'adore ça. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, et surtout à appuyer sur la cloche pour avoir toutes les notifications de la chaîne. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter, très important, et sur Twitch, où vous avez un live le mercredi soir et le vendredi soir, et aussi en semaine, quelques petits lives, on va dire soit en après-midi, soit surtout le matin. Allez, écoutez, on va commencer, nous allons voir ce que ça va donner. Bref, on va se faire peur. Mon Dieu. J'adore faire ça, voilà, c'est une Madeleine de Proust. Allez, écoutez, en normal, bisous. Salut chérie, je voulais juste te faire un petit coucou et te dire que je t'aime. Ah, c'est gentil. Oh, bonne nouvelle, je vais bientôt rentrer à la maison, oui! Oh, j'ai hâte de rentrer, de finir ce travail de babysitting et de retrouver mon mari adoré. D'accord, donc on est mariés avec elle, je me souvenais plus du tout. Oh, faut que je retourne travailler. Mais d'ailleurs, qui c'est qui fait du babysitting à 40 ans qui part très loin de sa maison? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est elle-même! Ethan? Tu avais raison. Je danse le Mia! Tout ce que je peux dire, c'est que si tu as ceci, c'est que je suis pas morte. À l'écart. Allô? Salut, c'est Ethan. Hey, ça va? T'es parti comme un voleur l'autre soir. Ouais, ouais, je sais, ça va, ça va. C'est Mia. Elle est pas morte, elle est vivante, elle est de retour. On l'a retrouvée. J'en sais rien, écoute. Je sais pas comment. Mais elle est revenue d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être des conneries, mais... Elle veut que je vienne la chercher. Elle est où? Delvy. Delvy en Louisiane. Mec, ça fait 3 ans... Je sais, mais si c'était bien elle... Je vais en avoir le cœur net. Je vais en avoir l'internet. J'aime bien faire des blagues qui... Non, mais par contre... C'est quel genre d'amis qu'on a? Je veux dire, les gars, si vous êtes mariés avec une personne et qu'elle disparaît, oui, parce que marié avec un objet, il n'y a qu'au Japon que ça existe. Mais imaginez, vous êtes mariés. La personne disparaît, au bout de 3 ans, elle réapparaît. T'imagines, t'as un ami, il te fait « Mais mec, pourquoi t'y vas ?»« Mais, bah oui, j'y vais !» Espèce de trou du cul. Oh, punaise. Et dire qu'ils ont ça comme baraque, mais partout. Et dire qu'en Louisiane, il y a plein de baraques aussi. Enfin, pas qu'en Louisiane, mais la Louisiane, c'est beaucoup de marais. Et vous avez beaucoup de baraques comme ça. Dites-moi, c'est le Vendanger. Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Je vais rappuyer pour être sûr. Le réparateur est photocopieuse. Non, ça marche pas, putain. C'est à qui? Mais Mia, tu es partie en vacances, tu as acheté un van pendant 3 ans et tu ne m'as rien... Oula, c'est dégueulasse. Sewer Gator, épisode 17. Proposition de projet, s'introduire dans une maison fantôme en Louisiane. Sneak into a Louisiana ghost house. Oh, ok. Pourquoi? Ok. J'ai de l'équipement, ok. Rejoignez-nous. C'est hyper chelou. Qui c'est qui a mis ça dessus? Si c'était pour moi, imaginez, je n'ai pas ouvert le camion, vous aurez fait ça pour rien. Bon, bon, on avance, écoute, hein, tranquillement. Vous l'avez vu? Est-ce que c'est moi?
Je suis espagnoles de la noches. Je me suis perdu là. Hola, hé. Eh. Qu'est-ce qu'il y a? Escamplare, cui cui. Putain, mais on est où? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oula. S'il vous plaît. Oula. Ouais, et ça fait vraiment film d'horreur. Hein. Film d'horreur dans les bayous, là. Les bayous américains. Regardez ces baraques. Oh là 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 là. C'est crade. Ah, oh, l'enfer, quoi. Red Dead Redemption 3, quoi. Oula, j'ai eu du mal. Qu'est-ce que c'est? Oula. C'est quoi? Sérieux? What the fuck? Qui c'est qui brûle ses affaires, là? Mia, je sais que notre mariage a un peu coulé ces 3 ans, mais pas besoin de brûler ton permis. Ça va être chiant, tu vas devoir le repayer. Oh l'enfer. Oula, j'ai entendu un bruit dedans. Oh l'enfer. Oh punaise. On voit que dalle. Wow! Oh non. C'est quoi cette maison Disney là? Et c'est pas moi qui ai allumé la lampe torche, hein. Il a allumé la lampe torche tout seul, hein. Je peux pas l'éteindre, je peux rien faire. Hein. Ouvrir, ah. Putain. Je déteste ce genre de maison. À l'américaine. Il y a... Ça devient moins drôle, là. Oh, punaise. Ok, c'est le frigo qui a fait ce bruit-là. Oula, c'est quoi, ça? Oh, la vache! Merde! Merde! Ça fait 3 ans que c'est là-dedans, ça? Attendez. Ça va me stresser sinon. Par contre, le robinet à fond est à 3. T'as 3 gouttes là qui se battent en duel. Merci. Hein. Oh la vache. Oh là là là. Mais c'est dégueulasse. Faudrait penser à faire le ménage, s'il vous plaît. Elle fonctionne encore, donc il doit y avoir du monde. Enfin, de toute façon, je vois, il y a l'électricité, ça allumait. Il y a du monde. Obligatoire. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Mia? C'est quoi ça? Escalier. Ça ne fonctionne pas. Ok. Oh. Maison abandonnée. Et ça, c'est quoi? Ah! Ça, c'est pour sauvegarder. Ok, Noël sauvegarde. Bam, c'est fait. Ah, ça s'ouvre. Mia? Alors, je peux comprendre que tu aies été obnubilé par les magnifiques sièges molletonnés, mais faudrait peut-être venir. Tu m'as donné rendez-vous. Wouah! Mia poil! Non! Oh putain, je vais fermer la porte. Putain, ils m'ont gâché mon... Putain, on dirait une hippie! Non mais, c'est qui ça? Il y a des jambes et je vois quelqu'un devant. Putain, elle a fait quoi pendant ces 3 ans? Et tu vois, voilà. Voilà, voilà, ça me gonfle. D'accord, il manque un fusible. Stairs. Bon, eh ben voilà, mais c'est le fusible Stairs. Troisième floor, deuxième floor. Bon, on peut pas juste l'enlever et le mettre là? Bon.
Ah, on va faire une note à Élise. Allez, c'est parti. Si je vous fais chier, dites-le. Hein. Ça fait flipper. Hein. Ah, on a la cassette, on va pouvoir la lire. C'est quoi ça? Ok, cellule. Bou! Où t'as trouvé ce type? Lâche-moi un peu, Pete. Hé, hey, je bosse qu'avec des professionnels. D'ailleurs, arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci. Je veux pas un remake d'Amarillo. Mec, c'était il y a 2 ans. Je me tape pas le doublage. Ah, c'est vrai que c'est chiant hein, quand tu dois te taper le doublage d'une vidéo qui a pas, qui a plus de son. Encore? Alors sois pas étonné si on doit le virer. Quoi? Mec, vous savez que je vous entends. Hein. Vous savez que si c'est fermé, on peut se barrer. Hein. Non, mais c'est fermé, les gars. Non, mais... Après toi. Mais c'est... Mec, t'as alors, de l'é... C'est quoi, les... Mec, il y a de l'é... Attends, imaginez. Vous êtes producteur d'une émission. Vous visitez des bâtiments abandonnés. Donc, la part du temps, il faut l'autorisation. Si t'as pas l'autorisation... mais que t'as envie de faire la parce que bah, tu peux pas l'avoir parce que y a, tu sais pas qui est le représentant et tout, tu y vas, tu vois des lumières partout, enfin il y a des lumières, tu vois que c'est allumé, c'est fermé à clé, tu défonces pas une porte. Hé hey Clancy, filme un peu ça, ça peut faire un bon plan de coupe. Donc une famille de pecnos disparaît et... Pas des pecnos, les Baker, Jack et Marguerite Baker, une famille normale, plutôt paisible. Il y a pas mal de rumeurs sur leur fils Lucas. Lui a mal tourné, apparemment. D'accord. Merde! Je savais que j'aurais pas dû mettre mes chaussures neuves. Oh, tu viens? Oh, putain. Heureusement que j'ai fait mes vaccins. Mais bon, ça pourra nous faire un super décor. André, qu'est-ce que t'en dis? Bah, André? tu voulais me... Ah non, c'est pas moi, André. Enfin, Tom a perçu... André! Clancy, tu sais où est passé André? Ah merde, je suis bloqué. C'est quoi qui me bloque? Ah mais c'est ça qui me bloquait, d'accord. Il est où? Putain, j'y crois pas. C'était quoi ce truc? T'as entendu? Oh, tu te démerdes, t'ouvre. Moi j'ai la caméra. André? Putain, ils ont mis quand même... Il a réussi à faire le montage audio en même temps, le mec. Qu'est-ce que tu cherches, gars? C'est une cheminée. Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens, on en... C'est quoi ce bordel? Il est pas passé par le... What? Mais... Pas possible, je rêve. Non, c'est moi qui rêve. Comment le mec, il est rentré là, il est allé direct à la cheminée, et il a fait ah oui, c'est vrai, je suis déjà venu là il y a 10 ans. Non, mais. Mais mec. Bon, allez, passe. Allez, dépêche-toi. Je vais me faire choper le cul. Ah, j'aime pas quand il y a des trucs derrière. Bouge-toi! Putain! Et comment il connaît la maison ou quoi? C'est. What the fuck, quoi? Passe devant. Je veux un plan de moi en train de descendre l'échelle. Donc, passe devant. Ouais, espèce de trouillard, là. C'est bon. Bon, il est où, André, là? Bah, dis pas qu'il a fait tout ça. Il s'est absenté 5 minutes. On l'aurait trouvé s'il est... Y a quoi en bas? Bah, y a André. André? Ah non, je m'en souviens de ça. Bon appétit, bien... Ah, putain de merde! Alors, autant les gamins, ça peut aller, mais lui,
Waouh, il a l'air content d'être là. Alors on a vu, il a fait ça. Je ne sais même pas comment il a fait pour savoir que c'était là, mais bon. Nous, c'est legit, on vient de le voir. Et c'est tellement pas une bonne idée. Tellement pas. André? Ah non, c'est vrai, c'est pas lui que je cherche. Mia? Le mec. Oh punaise. Tellement pas une bonne idée. Oh non. Oh non. Et allez. Allez, une scoliose déjà, et en plus on peut pas remonter. Putain, fais chier. Oh putain. Oh non, il y a de l'eau. Pitié quoi. Mais tu vois bien qu'il y a du monde tout allumé. Ça ferait 3 ans, les ampoules elles auraient pété si elles étaient allumées H24. Et déjà tu vois ça à la caméra. Mais tu te casses. T'appelles les flics quoi. Alors oui, la porte est fermée, mais l'autre il a mis un coup de pied, il a ouvert la porte, donc tu fais la même. Et tu te barres. Putain, non mais non. Regardez, putain. Fais chier. J'ai un peu peur là. Ça va être le caca culotte. Je vois rien. Je sais même pas d'où ça vient. Putain! Excuse-moi, André. Mia! Putain, mais on la trouve pas, elle est où? Ah, c'est quoi? Attendez. Ben mort, Harold a muté, Arthur a muté, Tamara a muté. Oh purée, en plus c'est pas bon le Tamara. Greg est mort, Leila est morte, Sean est mort, William est mort, Travis a muté, Peter est mort, André est mort. Eh ben oui, ça fait beaucoup de morts quand même, hein. A muté. Voilà. Mais qui fait ça? Oh, un coup de boulon. C'est quoi ce merdier? C'est quoi ça? Il y a de la lumière. Oh, Mia. Mia. J'ai un coup de boulon, j'arrive. On se casse de là. Et c'est fini. J'arrive. Mia! Enfin, je t'ai trouvé. Tu danses pas, mais je t'ai trouvé. Mia. Dieu merci, tu es vivante. C'est moi, c'est Ethan. Ethan? Bah oui, Ethan, oui. Ton mari. Tu ne devrais pas être là. Ah ben merci, je viens de te trouver, c'est comme ça que tu me remercies et que tu me vois. Non, non, je te le jure. Ah si, c'est toi. C'est ah, si. Je l'ai fait. Ah oui, oui, oui. Quelqu'un t'a vu? Est-ce qu'il t'a vu? Mais qui? Qui d'autre est ici? Ah, le mec qu'on a vu au début, là. Papa va venir. Il faut qu'on parte. De quoi, papa? Il faut partir maintenant. Attends, attends, Mia, déjà, hop, 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 on redescend de 2 étages. C'est quoi cette coupe de cheveux? Alors, je peux tout accepter que tu sois enfermé, là, dans un truc capitonné, à clé avec une chaîne et tout, alors que ça fait 3 ans que je te cherche, qu'il y a des cadavres et tout. On se pose pas la question. Mais par contre, tes cheveux, là, il y a un problème. Où est-ce que tu m'emmènes? Regarde-moi ça. Que part en lieu sûr. Cette tignasse. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe? C'est le roi lion. On va t'appeler Simba. Chérie, t'as disparu depuis 3 ans. Bah oui, 3 personne... ans. Bah oui, 3 ans, oui. Ça fait déjà 3 ans. Oui. Bon, bon, on avance. Mia, il faut qu'on parle. Ce message que t'as envoyé. Pas moi. C'était pas moi. Si, c'est toi, tu si. Bon, avec c'était moins de cheveux, moi. Mais c'est toi. Ok, d'accord. Mais dis-moi ce qui se passe. Je te promets que je te dis tout ce que je sais. Mais pourquoi tu le dis pas maintenant? Mais c'est quoi ce truc où personne ne veut parler? T'as le temps de parler là, tu peux me le dire, ou en avançant, je sais pas. Oui, j'ai été kidnappé par des extraterrestres, oui, bien entendu, L'Oréal est derrière tout ça, regarde ma tignasse, ça a été dur, voilà, je n'arrive plus à me coiffer, j'ai besoin d'un Dyson, s'il te plaît, paye-le moi, ça coûte 400 euros. Yeah. Voilà, là au moins j'aurais compris! Là! C'est ah! Là. Ok. Putain, mais c'est un labyrinthe, c'est même plus une maison.
La maison faisait 90 mètres carrés en surface et là t'en as pour 400 mètres carrés de... De quoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une autre porte ici, j'en suis sûre. Bah Non! Qu'est-ce qu'il y a? Elle est plus là! Elle est plus là, elle a disparu! De quoi tu parles? On va être une famille, maintenant que tu es ici. Hein? Ah non, c'est pas le moment de dormir, là. Ça va? Mia. On doit sortir d'ici. Oui, non, mais merci, mais... Reste ici, d'accord? Je vais jeter un œil. Et je parle au sens littéraire, hein, pas physique. Hein. Je vais pas lancer mon œil. Ok. Mia, il y a une poupée qui te ressemble. C'est bizarre, hein. Bon, elle a une meilleure coupe de cheveux que toi. Mais bon... Qu'est-ce que c'est, ça? Qui c'est, ça? Wow! Non, non, Mia? Oh putain, les escaliers du Nether. Ah, c'est bon. J'arrive, Mia! J'arrive! Putain, ces portes à la Disney, quoi! Ferme-moi ça. Ah, il pleut, super, nickel. Mia. Qu'est-ce que c'est? Plan de l'annexe. Ah, nickel. Donc on vient d'où? On vient de là. Zone de garde, cellule, zone chirurgicale, débarras, capital. Le mec, il a eu le temps de faire tout ça et de tout marquer. Hein. Salle de bain, séjour. Et il s'est pas trompé. Putain, le mec sait très très bien écrire. Merci beaucoup. Psychopathe, mais littéraire avant tout. Des remèdes, parfait. Y'a rien d'autre là? Y'a personne! C'est toi, Mia? L'heure est grave. C'est d'où on vient. Arrêtez. Mia? J'entends Mia, j'entends un petit. Je veux dire, je suis pas con. Bah oui, je suis pas con. Allez hop. Allez, salut. Allez. Allez, je déconne zéro. Ouvrez la porte. Ah, oh, j'ai pas envie. C'est quand même fait les choses, c'est que sur elle que tu fais ce bruit. Mais là, elle est où? Mia. Faudrait peut-être consulter là. Oh putain. The Grug. Oh putain de merde. Non, non, je ne suis pas une balle de Jokari. Oh putain. Elle est là, j'ai vu ça. Non, non. Lâche ce couteau. Lâche ce couteau. Lâche. Oh t'es putain de merde. Non, 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 non. Mais putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, mais c'est pas possible. Dégage de là. Lâche. Oh. J'ai pas eu mon rappel pour le tétanos. Oh putain. Je peux l'entendre. Ouais, non, mais là... Je peux la sentir. Ouais, non, mais... possession de mon corps. Ouais, mais... Va-t'en! Laisse-moi tranquille! J'ai été vilaine. Je mérite ceci.
Hein ? Putain, elle change de personnalité à chaque fois. C'est Felindra tête de tigre et après c'est Clara Morgan. Oh punaise ! C'est quoi, c'est le téléphone qu'il faut que j'utilise ? Oula, non, y a rien ici. C'est bon ? Oh non, oh non ! Lâche-moi ! Oh non, oh non ! Oh putain ! J'ai voulu prendre un... Et alors là, là, ma grande, tu vas... Allez, bim ! Et bam ! Oh non, bah alors là ! Allez, et bim, et bam, et boum, je vais te chlasser. Je vais te chlasser. Allez. Allez. Je suis désolé, mais il y a un moment. Faut savoir écouter. Hein. C'est bon, elle est morte. Je suis désolé, hein, Mia. Mais il y a pas de sang. Il y a quoi là? Il y a rien. Des bouquins. Elle sert à quoi cette pièce? C'est fermé et il y avait. C'est eux qui changent les pièces pour les gens? Je peux pas ramasser mon arme? Oh putain, ça va être chiant. Ça va être casse-couille. Ça va être vraiment casse-couille. J'arrive. Tu n'aurais pas dû venir ici. Non, sans blague. Et qu'est-ce qui se passe ici? Je m'appelle Zoé. Comme Renaud? Tu dois pouvoir sortir par le grenier. Ok, je vais aller voir le joueur. Oh, putain, j'ai fait plein de blagues. Maintenant. Ah, désolé, je suis obligé de me détendre comme je peux. Me dis pas qu'elle s'est relevée. Elle s'est relevée. Elle est où? Elle était là? Oh putain. Je prends ma hache. J'ai rien à foutre, j'ai ma hache. Mia! Faut que je me barre par les escaliers, c'est ce qu'elle a dit. Enfin, par en haut. Donc par en haut, voilà, il me fallait le fusible. Oh putain, non. Mia, je te vois! Pas discret! Allez, vite. Parfait. Allez, faut qu'on monte. Y'a personne. Oh punaise, non! Ça va aller. Ça va aller. Ouais, ouais, non, ça ne va pas aller, non. T'as une putain de truc sur le. Non. Mais. Mais t'aurais pas dû faire ça! Mais quoi, faire quoi? Je me défends! Mais t'es sérieuse là? Putain de mal! Oh! Je déteste le bricolage en plus! Oh la vache! Allez! Putain, c'est. Enlève-le! Enlève-le! Elle a quoi dans les mains là? Ouais, non, mais non! Non! Oh putain! Ah mon. Oui, c'est ça, ouais! Toi, t'as mangé les Kellogg! Allez! Non! T'es sérieuse là? Ah, mais là, je suis mort! Bah voilà, game over, fini! Ouais, c'est ça, mais va mourir, toi. Mais je suis mort, là. On est mort. Oh, putain, on est mort. Ma main. Ah, je peux la ramasser. Non, mais là, faut que je me casse, là. Là, je suis mort. Faut que j'appuie sur le truc, on m'a dit de me barrer. Bon, je vais mourir avant, hein, mais c'est pas grave. Allez, vite. Allez, appuie. C'est bon. Je sauvegarde. Oh punaise. Ah, ça a arrêté de saigner, vous avez vu? Comme quoi. Je me suis vidé, j'ai perdu 18 litres de sang. Oh, j'avais pas. Mais je suis con. Yes, un flingue, bon, un d'accord. Remède. Visé tiré, ouais. Visé tiré, mais je m'en fous, je l'ai pas tiré. Hoha! Hou! Rien. Il me faut d'autres munitions. Hein. Parce que là, j'en ai pas beaucoup. Hop là! Voilà. Oh! Des muni-beach.
faire une porte. Ah, je me sens mieux là, j'ai un flingue. C'est quoi ça? Oh, encore des missions, 20, yes. Peut-être par là. Ah oui, c'est quoi ce bruit? Oh putain! Ouah, ma grande! Ouah! Ouah! Eh non, 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 non! Eh oh! De quoi? Je vais crever! Cours, 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 cours! Recharge! Je me soigne! Alors, toi! Allez, faut que je vide mon flingue. Allez! Allez! Il faut mettre un terme à tout ça! Allez, cours, 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 cours! Oh, oh maman! Papy, papa, tonton et Robespierre! Lâche, Ethan. Je suis pas un lâche! Je veux pas que je lâche. Non! Ouah, je les stun et Chardenne. Alors là, ma grande. Mia? Ouais, c'est encore une de ces feintes, là. Je transpire des mains. Je sais pas si ça se verra. On aurait pu se présenter quand même, hein. Putain, je vois la tignasse de Mia. Putain. Tout ça à cause de lui. Franck Provost. Allez, c'est pas le moment de claquer. T'as du pain sur la planche. De quoi j'ai eu pain sur la planche? What? Ah ouais, genre des agrafes. Comme si ça pouvait m'aider. J'aime bien là où j'en suis maintenant. Mais on est où là? On a été chopé, mais elle nous a aidés. Oh patron. Où suis-je? Qu'est-ce que... Allez, debout, jeune paresseux. C'est l'heure du dîner. Qui êtes-vous? Où est Mia? Mange, c'est bon. C'est pas plus rien qu'un peu de passer les bonnes choses. Ça devient lourd, vieux. Pose-toi de là, Marguerite. Ce garçon doit manger. Il doit prendre son dîner. Bah non, j'ai pas envie. Ça a l'air dégueulasse, vos trucs périmés depuis 3 ans, là. Oh merde, oh merde, oh merde. Il mange pas, Jack. Il mange pas. Ferme-la, Marguerite. Je vais préparer ça pour lui. Fous-moi le camp. T'es qu'un petit enfoiré. Oh, j'arrive pas à croire que c'était ce enfoiré. Il mange pas. Il mange pas. C'était censé être un festin très spécial. Allez, fiston. T'es sérieux, là? Non, 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 non. Oh, putain. Allez, vas-y. Oh, et merde. Je parie que c'est encore ce flic. Maudit poulet. Bouge pas, je reviens. Mais c'est ça, ouais. Bois de l'eau. Ah, mais c'est la... C'est celle qu'on a vue sur la... C'est un enfer.